On trouve dans l'abonnement Maximax de cette année toutes les formes appréciées des lecteurs de cet âge. Journal humoristique, récit d'enquête, bande dessinée, récit parodique. Là où c'est intéressant, c'est que l'on s'insère vraiment dans la vie des héros à hauteur d'enfants. On les suit à l'école, dans leur famille. On est plongé au cœur des rencontres et des amitiés qui se nouent. Pour moitié, ce sont des histoires ancrées dans le monde réel, quotidien, urbain, comme dans les enquêtes de Théo Toutou, d'Yvan Pomeau. On pourrait parler de récits miroirs, pourtant ce sont des héros aux véritables personnalités, qui ne sont aucunement des modèles, mais des personnages à la fois proches des lecteurs et tout à fait singuliers, portant chacun leur part de romanesque. Ceci est particulièrement vrai pour trois titres. Tony, une bande dessinée du grand illustrateur allemand Philippe Wächter. Lettre d'amour de 0 à 10, adaptée avec beaucoup de finesse du célèbre roman de Suzy Morgenstern, par le dessinateur et ici scénariste Thomas Bass. Et puis, le journal intime illustré, écrit par Luc Blainvillain, mon cher ami. À l'inverse, l'imaginaire de la forêt tient également une belle place dans cette sélection. Mathieu Sylvander a une manière bien à lui de raconter des histoires absolument inattendues en jouant avec les codes du genre. Ici, le conte et le mythe. Les illustrations quasiment expressionnistes d'Anaïs Vaugelade amènent ce qu'il faut de tension face à une écriture, elle, délectable d'humour contenu. Dans La vie secrète de la forêt, Grégoire Solotareff a écrit un texte par jour de l'année. On est dans l'univers des contes, de la forêt profonde, des sorcières, des lutins, des animaux sylvestres. Mais l'écriture n'a rien de traditionnel, ni même de conventionnel. On est surtout en présence d'une succession de courts textes, atypiques et astucieux, que l'on peut lire de manière quotidienne en explorant la communauté de personnages qui donnent leur nom au chapitre. Les îles est un livre hors norme qui réunit toutes ses qualités. Un album épais, de forme complètement inédite, conjuguant illustrations et bandes dessinées, narration et documentation. Une œuvre monde, celle de Shintia, par la carte duquel s'ouvre le livre. C'est aussi une œuvre somme pour sa créatrice, Anne Brouillard, un travail monumental conçu en 10 tomes indépendants. De livre en livre, de mois en mois, voilà un abonnement qui semble particulièrement intéressant dans sa capacité à dépasser la dimension ponctuelle des livraisons et à convier les enfants vers des lectures qui s'inscrivent au long cours.